Le grand jour est enfin arrivé. D'un diamètre de 16 mètres, une hydrolienne est minutieusement amarrée dans une immense barge en forme de catamaran. À 15 km de là, elle est ensuite déposée par 35 mètres de fond au large des îles de Bréhat, en Bretagne Nord. Son immersion est l'épilogue de plusieurs années de recherche, de conception industrielle et de concertation avec les acteurs locaux. Cette hydrolienne utilise l'énergie des courants marins pour produire de l'électricité. Une énergie renouvelable, abondante, gratuite et surtout prédictible, qui s'intègre aisément au réseau électrique auquel elle est reliée par un câble sous-marin. Réversible, elle fonctionne aussi bien à marée haute qu'à marée basse. Posée sur un tripode pour ne pas abîmer les fonds marins, l'hydrolienne est évidée en son centre et ne tourne qu'à 7 tours minutes pour faciliter la circulation des mammifères marins et des poissons. Après des mois de tests mécaniques et électriques, le projet entame en 2014 une nouvelle étape avec la construction de deux nouvelles turbines de 500 kW pour créer le premier parc hydrolien de France et poser les jalons d'une solution d'avenir. Nos solutions pour le climat.